Eh bien salut tout le monde, c'est Squala. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, on vise les 150 likes pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est très important pour rater aucune de mes vidéos. Et voilà, donc comme vous aurez pu le voir au titre de la miniature, aujourd'hui je vais vous présenter 5 astuces pour éviter de se faire ban avec un mode menu sur GTA 5 online. Simplement, j'avais déjà présenté une vidéo à ce sujet, mais elle s'est fait strike, je sais pas pourquoi. Pourtant là, en plus elle avait fait 10 000 vues, genre ça avait aidé beaucoup de gens. Mais je sais pas pourquoi elle s'est fait supprimer. Enfin bref, du coup je la refais. Parce qu'en plus depuis j'ai gagné plein d'abonnés. Je crois que quand je l'ai sorti j'avais 2000, là je suis à 12 000, c'est énorme. Voilà, go les 13 000 abonnés. En tout cas, c'est parti pour la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, tous mes réseaux sociaux sont en description. Et c'est parti. Déjà la première astuce, c'est de ne pas se mettre plus de 10 millions par jour. Parce qu'avec un menu gratuit, c'est vraiment très risqué. Après, si vous voulez vraiment risquer aucun ban, bah prenez un mode menu payant. Mais voilà, faut pas se plaindre de 100 ban avec un mode menu gratuit. Assez logique quoi. Après, des fois on se fait pas ban, des fois on se ban, voilà. C'est aléatoire. Mais après, voilà, c'est un mode menu, faut vraiment se dire que c'est interdit. Donc si on se ban, c'est logique en fait. La deuxième astuce, c'est une autre astuce par rapport à l'argent. Au pire, au lieu de vous mettre 10 millions, de vous injecter de l'argent. Imaginons, tu vas acheter une voiture. Et ben la voiture elle coûte 3 millions. Et ben tu drops 3 millions. En gros, tu drops que le prix que tu veux acheter. Genre, tu veux acheter un appart à 3 millions. Tu drops 3 millions, t'achètes direct. Comme ça, en plus, ça reste pas longtemps l'argent. Et vraiment, franchement, moi je fais tout le temps ça. Et c'est pas cramé du tout. Donc voilà, donc si vous voulez acheter des trucs et pour pas vous faire mal, vous voulez vraiment pas vous faire mal, et ben n'hésitez pas à faire ça. Genre, tu veux, je sais pas, une moto à 10 000, tu drops 10 000. Enfin, tu drops le montant que tu veux pour acheter le truc. Et comme tu l'achètes direct après, ben l'argent elle reste quoi? Elle reste même pas 5 minutes sur ton compte. Du coup, c'est pas mal. Après aussi, l'argent, je vous le vraiment, je vous conseille, hein, ne mettez surtout pas en banque, mettez que en liquide, voilà, parce qu'en banque c'est cramé, en liquide, genre ça peut être, en fait, Rockstar, eux, ils croient que vous l'avez ramassé, genre, imaginons quand vous tuez quelqu'un, vous ramassez l'argent, bah là ça revient même, sauf que c'est plus d'argent, voilà, du coup c'est moins cramé, alors qu'en banque, bah, c'est beaucoup, beaucoup cramé, quoi. La troisième astuce, c'est de ne pas utiliser un mode menu en session publique. Bon, ça, je pense que c'est évident, mais il y en a qui ne savent pas, il y en a qui veulent faire les cons, entre autres, tout ça. Avec un mode menu payant, à la rigueur, ouais. Mais avec un mode menu gratuit, non. Restez en session privée, en session sans invitation, vous restez tout seul. Ou alors, si vous voulez drop des potes, pareil, allez en session sans invitation. Mais allez, même si vous l'avez et vous en savez pas, c'est vraiment détecté à mort en session publique. Ça sert à rien en plus, à part troller les gens. Après, si vous voulez drop des gens, ouais, mais il y a quand même des gens qui vont vous signaler. Et même si vous ne faites pas signaler, c'est vrai, c'est vraiment vite détecté en session publique. Après, la quatrième astuce, certainement, donc l'avant-dernière astuce de cette vidéo, c'est de ne pas utiliser les modules dans les activités. Parce que dans les activités, c'est comme si vous étiez en session publique. Sauf que, allez, vous êtes 4. Après les courses, vous pouvez être 10 maximum. En fait, ça sert à rien. Parce que c'est comme si vous étiez en session publique. Mais comme il y a moins de personnes, Rockstar, ils peuvent plus se concentrer sur vous. Et du coup, voilà, c'est cramé. Mais genre à 10 000, ça sert vraiment à rien d'utiliser un mode menu en activité. Faites l'activité normale, ça sert à rien de vouloir troller et tout. En fait, les mode menus, si c'est pour troller, bah, prenez un mode menu payant en fait. Ça sert à rien de prendre un mode menu gratuit ou je sais pas quoi. Ça sert vraiment à rien. Après, la dernière astuce, c'est de ne pas se mettre à un trop gros niveau. Genre, si vous voulez vraiment tout débloquer dans le jeu, vous mettez niveau 120 et ça y est. De toute façon, après 120, on peut plus rien débloquer. Ça sert à rien de se mettre niveau 8000 pour faire bah, pour faire beau, hein. Ça sert à rien vraiment. C'est vraiment pour faire beau là pour, en l'occurrence. Parce que vraiment, le dernier truc que vous pouvez débloquer sur GTA, c'est au niveau 120 et c'est le minigun. Donc ouais, vous mettez niveau 120 et puis ça y est, c'est pas du tout cramé. Et voilà. Après aussi, je vais vous rajouter une petite astuce quand même en bonus. Quand vous, imaginez, vous faites un compte lobby, vous avez un nouveau compte et vous utilisez un mode menu, faut pas tout débloquer d'un coup, ça sert à rien. Encore, vous débloquez les compétences, ouais, mais débloquez pas tous les trophées et tout, c'est cramé à mort. Mais vraiment, genre vous arrivez, le compte ça fait une heure que vous l'avez et vous débloquez tout, c'est trop cramé. À part avec un menu payant, comme je vous ai dit, si vous voulez, si vraiment vous voulez faire ce que vous voulez, prenez un mode menu payant. Il y a le Impulse, il y a le Paragon, il y en a plein en fait. Du coup voilà, le Paragon, puis il y a pas longtemps il était gratuit, j'ai failli vous le présenter, mais là il l'a remis payant, donc ça sert à rien de vous présenter, mais voilà. Dans tous les cas, s'il y a dans pas longtemps un mode menu qui un mode menu payant qui passerait gratuit, tout simplement je vous le présenterai, mais là pour l'instant il n'y a rien. Et voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire et à liker la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Squala, allez ciao.